Allô? Allô? Ok. Allez, c'est la suite de Chronocrus. Bon, et là, normalement, ça sera stream principalement de bagarre. Parce que si ma mémoire est bonne, on a... Salut King! Ce sera principalement de la bagarre parce qu'on a... Si ma mémoire est bonne, on a pas moins de... 5 dragons à qui on doit péter la gueule. Hey, la bagarre! La bagarre! Et faut ne pas oublier à tous les voler! Et si on rate notre vol, on fuit et on recommence! Je veux la bagarre! La bagarre! Ah, vous avez de grandes dents, madame. Ça va, j'étais un peu claqué donc j'étais pas vraiment chaud à l'idée de streamer sans personne sur le chat, donc c'est pour ça mon appel à l'aide. Ah c'est bizarre, mes persos font des vrais dégâts depuis que j'ai amélioré leur équipement, c'est bizarre. Extorsion, alors, je te vole ou je te vole pas? Yes. Et plastron bleu, ouais, donc du coup, c'est que les dragons. En gros, je vais quand même accélérer les combats, parce que bon... On a quand même pas mal de boss à se faire, donc bon... Ouah, les dégâts! Ah ouais, mais la Master Mode, ça déconne, c'est roi. Ok. Ah ouais, mais quand sur les wikis, ils disent « Ouais, c'est la meilleure arme du jeu !» Oui, oui, effectivement, oui. Je sais pas si c'est la meilleure arme du jeu, mais en tout cas, ça tape dur. Le machin, il fait des patates à 400, à 340. Écarche. Écarche, il fait moins mal, hein, mais il fait des patates, hein, quand même. Allez, hop. Je te balance mes sorts rouges, là. Bon, ça va. Pour le moment, on n'est pas avec... Mais... Fargo... On n'a pas de faiblesse ici. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse quand même nous faire mal. Hein. Etuve, il m'en restait un Etuve. La Zik est sympa. Ça change du combat de... Mais vous allez arrêter d'esquiver mes attaques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah en fait, non. Oh, pff, oh mais il a pas de vie. Parce que, en fait, ce qui est bien dans Chrono Cross, c'est que tu peux fuir un combat de boss. Ça te relance le boss et du coup, ça réinitialise le... les éléments, donc je pourrais retenter le vol. Mais je vais quand même sauvegarder en tout cas sur le dragon parce que c'est quand même des boss. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Et au moins j'aurais pas à relancer le jeu à chaque fois. Déluge! J'ai même pas eu besoin de me soigner dans ce combat. Sans déconner. Je crois que c'est la fin. Bon bah... Il avait pas de vie. Alors c'est soit il avait pas de vie, c'est moi, ou soit c'est moi qui tapais trop dur. Mais ouais... Non mais la Master Moon par contre c'est des codes zéro. Les patates que je balançais c'était ouf. Allez, hop, hein, le petit level de plus. Des PV, de la force, de la magie, hop. Soit... Ah et donne-moi, bah vas-y, donne-moi une invocation. Je pense que c'est moi qui tapais extrêmement fort, je pense, oui. Hop, pardon. «
Ouais, une Chaos Emerald. Non, attends, non, je me trompe de truc. Un relique bleu. Bon. Ah, je suis malade. Vite. Remède universel contre la magie. Contre la maladie. Et c'est quoi le remède universel contre la maladie? C'est un médicament, il est bleu. Voilà. Alors normalement les coffres ont pas dû changer, donc du coup je vais pas me taper le mec là. Hop, on fait une petite sauvegarde auto. Hop. Donc maintenant on va sortir d'ici. Ok, bon, par contre, là j'accélère parce que bon. Non, j'ai pas, non, j'ai pas pris le bon chemin. Je vais en profiter pour prendre le coffre. Il semblait que je l'avais pris, mais. Explosion de glace. C'est pas un mauvais sort, même si je l'ai en 3 milliards d'exemplaires maintenant. Voilà. Hop. Là, juste. Parce que sinon je mets 3 heures à la voir à chaque fois. Voilà. Je fais lequel maintenant? Parce que j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du noir. Bah on va faire le vert, ça va être lequel? Ça va être le dragon vert, ça va être lequel? Parce que celui des cieux, ça doit être le blanc. Dragon de la terre, c'est jaune. Du coup, ça serait. J'aimerais d'abord faire ceux qui vont être simples à faire, donc ceux de mon élément. Là, du coup, Marbule, c'était le dragon noir, donc c'est bon. Dragon de l'eau, c'est fait. Deux secondes, je vais quand même regarder. Parce que je pense qu'il doit y avoir un dragon vert, mais là, j'avoue que je sais pas où c'est. À moi, Google. Parce que là, j'ai pas envie de chercher pendant 3 heures. Green Dragon. Il va se trouver où ce con? Ah! Ça demandera des étapes supplémentaires. Bon bah on va faire les autres en avant et puis bah on va faire le. J'ai bien envie d'aller faire le rouge d'abord. Bon là lui par contre c'est pas très compliqué de savoir où il est. C'est pas une quête secondaire mais en fait ça demande de pas de pouvoir accéder à une zone et j'ai pas la clé. Alors bah plutôt oui, voilà, hop. Ah ta mère. Non, le combat, je le fais pas. Ça, c'est des combats de early game. D'ailleurs, est-ce qu'il est accessible dans cette dimension? Le dragon rouge. Ça, j'en sais rien. Oula, 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 oula. Alors là, il y en a deux dans la même caverne. D'accord. Je sais pas où passer à la deuxième, mais écoute. Faire pouf, c'est où, c'est là. Ah là, la magie. Ok,
T'es tout seul en plus, vas-y. Me prends pas la tête. Ah, meurs. Non, et faire les dragons. Ok. Faire les dragons, c'est clairement pas une quête optionnelle, c'est complètement dans l'histoire. Ok, non, d'accord. J'ai vu le chemin. J'ai le chemin. Je crois avoir vu le chemin. Excusez-moi, je ne fais que passer. C'est peut-être pas dans cette dimension là. Non, ah oui, non, ok, d'accord, c'est là. Ah, d'accord. La perspective m'avait eu. Ma perspective m'avait eu. Zut. Zut de flûte. C'est ça, les décors m'ont eu. Je me suis fait bamboozled. Les patates. Bon, avant le combat de boss, faudra se soigner par contre. Voilà, meurs. Zbouidi-bouidi. Des petits PV bonus, on dit pas non. Je sais pas comment on monte là-haut, mais... On doit pouvoir, je sais pas comment. Étuve. Ta mère. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop faible pour que je daigne vous attaquer de moi-même. Mais comme vous allez me faire chier... Alors... C'est quoi que t'as pas compris dans Casse-toi tu pues ? Voilà. Ah, trop nombreux. Du coup, il risque de gêner, mais trop faible pour que je vraiment daigne m'intéresser à eux. J'ai un autre coffre à prendre, donc ils vont encore me faire chier si je le fais pas. Par contre, ils esquivent beaucoup trop mes attaques, ça commence à me gonfler. Je voulais une AOE, c'est ça que je voulais. Bam, 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 voilà, hop, déjà. Voilà, hop. Une AOE de l'élément que vous aimez pas. Hop, les météores de glace, tout ça. Bon, par contre, faut mourir. Tu te fous de ma gueule? Déjà que le truc commence avec une esquive d'un truc à 94%. Voilà, meurs. Oula, mais ils me prennent la tête là, aujourd'hui. Non, et je pense que le dragon de feu, ça se trouve, il est dans l'autre dimension. Renforcement. Ok. Oh putain, oui, non, là par contre, je barre. Oh putain, je crois que j'en ai vu un qui venait en plus. Ouais, non, il est tout seul. Non, il est tout seul, je lui casse la gueule.
J'ai pas envie d'être en sandwich où j'ai fuir à l'infini pour me taper des... Mais arrêtez d'esquiver des attaques à 87% de chances de toucher. Non, 92%. Sans déconner, j'ai 9 chances sur 10 de te toucher. D'où tu m'esquives à chaque putain de fois. Oh là là. Alors, je gagne des stats. Je l'ai vu venir. Quand je l'ai vu arriver de l'autre côté, pendant que y avait le collat, la transition de combat. Bon, au final, je sens qu'on va tous les faire. Hein. Non, faut toucher. Faut toucher. Bien sûr. 87%. Évidemment, 87%, c'est une chance sur 5 milliards. Ça m'énerve, c'est juste ouf. Arrêtez d'esquiver des attaques que vous devriez prendre 500 fois. Putain, mais le nombre d'attaques que je réussis plus souvent des attaques à 40% que des attaques à 85%. Ça n'a aucun sens. Putain, par contre j'ai des mouches en plus. Ben du coup, je pense que va falloir changer de dimension. Ah mais là, c'est même pas les joies du RPG, c'est que même là, c'est qu'en plus, tu vois les pourcentages, ce qui les rend encore plus énervants. Ah oui, non, je peux pas monter. Ah, comment tu veux que je monte, là? Eh? Ouais, bon. Est-ce que je peux pas monter là? Et je crois pas que je puisse monter d'ailleurs. Bah, je sais pas. Bah, le dragon rouge, il faut croire qu'il est pas dans cette dimension. Bah, moi qui voulais le faire en premier, bah... D'ailleurs, je pense qu'on va le débloquer le dragon vert tout de suite, parce que comme ça, on aura accès à tout après. Du coup, on veut aller dans les marais de l'hydre. Apparemment, n'importe quelle dimension, ça marche. Par contre, je sais pas du tout ce que je suis censé trouver. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, on n'a jamais fouillé ici. Dégage. Appel. Ah. C'est tout. D'accord. Moi, te casser la gueule. Ce fut rapide. Je pense que j'étais pensé faire ça bien il y a bien longtemps. Chebiba. D'accord. Je vais quand même regarder ce que je suis censé trouver en fait ici. Mais bon.
D'accord. Ah. Mais c'est censé être là, non? Recharger la section. Parce que ça disait au point de sauvegarde, mais peut-être pas ici. C'est un autre point de sauvegarde. Sinon, on essaiera l'autre dimension. Aussi fort que les plus puissants. Bah... Ok. Non mais écoutez, si vous êtes faible, moi ça va. Par là. C'est où par là? C'est par là. C'est là? Ah, non. Ok. Non, mais apparemment, je sais pas. Je sais pas, apparemment. Je suis censé voir une scène, mais... Non, y'a rien là. Bon, on va essayer un peu. Bébé, bébé. Pas au milieu. Ah bah voilà. Ah, j'ai rien à manger là par contre. Est-ce qu'il est déjà en PLS? Ok, je viens de one shot le boss. Bon. Bon bah ça c'est fait. Ah c'était pas un boss, c'était juste un gros mob. D'accord, oui je peux monter mais ça sert à rien. Là y'a rien. Là non plus. Bah on va forcer le passage. Voilà. Bam. Ok. J'imagine qu'on pourra l'affronter plus tard, mais là... Ah oui, non, mais d'accord, il est en train de regarder la cage. Soin de groupe. Et bah c'est cool. Même si je peux en acheter, donc vous savez. Ah non, je l'ai pas volé, mais bon, pff, pas grave. C'est... J'avoue que j'y pensais plus du tout. C'est surtout les dragons que je volais parce qu'ils ont quand même une armure, des armures intéressantes. Ah, ils ont des armures qui me permettent d'absorber un élément. Ce qui est loin qui est d'être dégueulasse. Et surtout comment certains boss peuvent te foutre des patates.
Je sais pas du tout où je vais. Hein. Alors, si j'y pense, oui. J'avoue que là, les trucs étaient tellement faibles que je me suis dit que ça valait pas le coup. Mais oui, dans l'idée, oui, il faudrait que je pense à tous les voler. Je pense que les boss doivent avoir des trucs intéressants. Alors, on va esquiver les mobs. Surtout vu qu'ils ont l'air d'être nuls à yesh. C'est vide. Très bien. Ça valait le coup de venir. Alors, je vais quand même... Oh, tu m'approches pas, toi. Je vais quand même retourner en... Là d'où je viens. Sinon, je vais changer de dimension, écoute. Ah! Encore? Bah, écoute... Ah, c'est lui qui l'a cherché, hein. D'antan, d'accord, ça doit être ça. On accélère parce que. Ah, ils ont tendance à être. Bah, on va voir. Ici, du coup. De Gaïa. Ah. Qui me parle? Oula. Ouga Bouga. Non. Le dragon vert. Bon bah, un nouveau perso. Écoute. On va pas l'utiliser, mais elle est de couleur jaune.
Elle a de la force. Putain, elle a de la défense, la gamine. Hein. Non, on va garder la team parce que j'ai pas envie de setup un nouveau perso. Bon, bah maintenant, faut se tracer un chemin jusqu'au dragon vert. Bon, bah, bagarre. Bagarre! Darda. Zéro. D'accord. Vous êtes quel élément? Vert, jaune, vert. D'accord. Bon, je peux vous balancer ça. Je pourrais peut-être essayer de te voler, mais non. Tu mérites pas, en fait. So long, Gay Bowser. Un piège pour Sylvia, très bien. Ok. Donc, El Cofro. Nidorite. Nice. Même si, bon, là, dans l'état actuel, oui. Je peux pas passer. Ah voilà. Je me souvenais qu'il y avait un coffre. Broche verte. Ah! Un gros machin! C'est le vilain machin. Écoutez, prenez-vous une AO bleue. Non mais, tu te fous de ma gueule. Alors, je me doute que la réponse est oui. Vous pouviez mourir en silence. Bon, tentons à gauche. Alors déjà, il y a un point de sauvegarde. On prend. Non, toi tu te tais. Ah merde! Je faisais pas attention, j'ai mon téléphone qui allait sonner. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter, je vais couper le son. Ah, voilà. Donc. Pas d'AO jaune, de toute façon. Zut.
Zut de flûte. Nique ta mère. Cordialement. Tiens, chute libre. Plus c'est haut, plus ça tombe de haut. Non, plus c'est gros, plus ça tombe de haut. Bon, là, je vais surtout me focus sur le fait de, d'aller taper le dragon vert. Sur qu'autre chose. Éventuellement plus tard j'irai fouiller. Je pense que je fouille. Je pense que je fouillerai hors stream surtout. Parce que sinon bon, j'ai pas envie de passer une heure à chercher des coffres. Faut passer en. Là. Est-ce que je viens de faire un tour complet? Je pouvais aller en haut. Je me déteste, je pouvais aller en haut. Nick. Oui. Je peux pas passer? Nick, laissez-moi passer. Non. Parce que la broche, c'est pas... Non. Mais je viens complètement de faire un tour complet, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah bah oui, mais en fait, c'est juste qu'elle a pas bougé, en fait. Il va être où le dragon vert? Oh, c'est un labyrinthe cette merde. Oh putain de labyrinthe de chiasse. Il y a un point de sauvegarde là, mais. Je sais pas ce qui, à quoi il sert. Non merde mais. Oh je veux pas prendre. Oh non, je veux pas prendre les. Je vais arrêter de prendre le croft si ça me fait un combat à chaque fois parce que ça va me saouler. Bon là ça va y aller tout seul mais quand même. Oh, je change carrément de perso parce que bon. Oh, mais tu me casses les couilles là! Arrête d'esquiver! 90%, c'est quoi que tu comprends pas? Ah, ça m'énerve! Rater des coups à 90% et réussir à des coups à des 40%, ça n'a aucun sens. Et à chaque fois, ça, ça m'énerve. Par contre, ouais, le dragon, je sais pas où est-ce qu'il peut se trouver en fait, ce coup.
Surtout en plus, c'est bizarre parce que je suis tout le temps allé à gauche. Je suis tout le temps allé à gauche, comment j'ai pu me retrouver à droite? Et l'espèce de truc nuage vert là tout à l'heure. Bon, vu leur attitude, du coup, c'est pas des NPC, hein, c'est des monstres. Surtout qu'on en a croisé en combat, donc voilà. Ouais, et puis là, je me retrouve au début. Je ne comprends pas. Ouais, d'accord. Oh là 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 là. Ah non, mais on m'avait pas dit qu'il fallait y aller avoir un labyrinthe de mes deux là. Attends, tu peux. Dans XCOM, tu peux rater à 99%, t'es sérieux? Mais c'est débile! Mais ça n'a aucun sens! Mais vas-y. T'as le rythme dans la peau, moi j'ai la fuite dans les os. Est-ce que je peux passer quand même? Non, je peux pas passer. Alors là, le truc c'est que je sais pas comment je fais. À moins qu'il y ait un item à récupérer, mais ça serait bizarre. À droite, j'avais essayé. Hein. D'accord. Parce qu'à droite, de toute façon, j'ai accès à rien. Littéralement, ça ne sert à rien. Je savais pas trop où il était, du coup, hors champ. Mais ouais, non, mais 99%, mais le coup devrait être assuré à 99%. Nique ta mère! Et je veux pas vous affronter là! Je voulais faire des boss et là on me met des ennemis nuls. En plus ils sont même pas durs, c'est ça qui me saoule en fait. D'accord, bah je regarderai après le stream du coup. Attends, et si je lui parle, est-ce qu'elle me dit quelque chose? Lui sortir quand pas content, ok. C'est quoi, je dois quand même pas buter tous les mobs. Ça non. Je prends les cornes aussi. J'allais dire, il est où? Parce que j'ai pas envie de me le prendre dans la tronche, le morveux là. Écoute, on va essayer de récupérer le coffre. On est d'accord que là-bas, y'a rien. Alors, de la Nédorite, j'en chope en tout cas. Hein. Ça, y a pas à chier, ça, j'en chope. Hein. Question, c'est. Ouais. Bon. Allez-y, vas-y, hop. Combat. Voilà, je vais pas y échapper, vas-y. On va choper tous les coffres au cas où que. Je sais pas, moi. Que ça débloque un truc, mais là, j'en sais foutre rien. Je sais pas trop ce que je dois faire. Ah, et moi qui pensais que ça serait simple de faire les dragons.
Vu que tous les endroits avaient un truc genre île du dragon, machin, que c'était des petites zones. Hein, j'y ai cru. Un tueur. Il a fallu quand même qu'ils mettent un labyrinthe pour l'un d'entre eux. Les mecs sont dit, ça va être trop simple de juste enchaîner les boss. Vas-y, on va mettre un putain de labyrinthe. Oh là. C'était une grosse mandale à... Ça, c'était un critique. Ah merde, je suis toujours en accéléré. Bah là, il n'y a plus de coffre. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais absolument pas ce que je dois faire. On va péter la gueule tout le monde. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, ça fera au moins que on aura plus de mobs pour nous emmerder. Et dans le meilleur des cas, ça va débloquer la situation. T'as le rythme de la peau. T'as pas d'XP. Tu gagnes juste 2-3 stats éventuellement, mais c'est tout. Ce qui définit le niveau, c'est les étoiles que tu chopes quand tu fais des boss. Donc, dans le meilleur des cas, je récupère surtout des matériaux. Mais bon, le matériau, c'est pas vraiment ce qui manque. Waouh, mon perso est jaune. Très bien. Enfin, si tu fais rien derrière. Écoute, on va tous leur... Attends, c'est moi ou j'ai vu un autre passage? Ah! J'ai peut-être débloqué la situation. Ah, ça y est! Il s'est décidé, il s'est dit... Waouh! C'est un direct le machin! Ah non, d'accord, c'est pas le dragon vert. Tyranno, d'accord. Alors, toi, on va te dégager parce que je sens que tu vas me faire chier. Ha! Les deux sont rouges. Bon, bah, du coup, on va bourrer les attaques bleues. Par contre, le Tyranno, je vais le voler, lui, par contre. Par contre, on accélère.
Eh bah écoute, c'est le décès. Explosion de glace. Alors la poussière de diamant. Nick. Bon, j'ai au moins assez de magie pour pouvoir le voler. Saut de force. Je sais pas ce que c'est. Mais on verra bien. Mastication. Hey, hey, faut pas me manger. Je suis pas comestible. Ok. Main laser. Nul. Oh, il est tout queus le boss. Allez, la niche. Allez, hop, un niveau, plein de stats, hop, hop, hop. Ah. Je crois qu'on a réveillé le dragon de terre, le dragon vert. Je peux pas lui parler, d'accord. Salut. Tu sais que c'était chiant de te trouver. Oh, j'ai la flemme d'aller sauvegarder. Eh, hey, il veut bouffer lui aussi. On me bouffe pas moi. C'est moi qui bouffe les autres. Nick. Oh non, les altérations. Plein d'altérations. Jardine attaque à 93%. Je hais ce jeu. Plastron vert. Yes. Au moins ça c'est fait. Maintenant, te péter ta gueule. J'ai... Si j'ai du jaune. Oui parce que il est... du coup c'est le dragon vert. Donc voilà, il est vert. Donc on va lui balancer du jaune autant que possible. Séisme. Ah mais le dragon de la maladie, sérieux. Par contre il va falloir soigner tout le monde. Lui m'a l'air déjà beaucoup moins que la cause. Hein. Voilà. Comme ça, c'est pas tout vert.
Ok. Sa strat, c'est de spammer l'invocation. Tiens, surtension. Oh, allez, le retour des altérations. Yes! Je kiffe. C'est faux. Est-ce que lui faire sa faiblesse, même si c'est Balleven, ça fait quand même mal? Ah oui, quand même. Quand même. Bon, faut pas le laisser faire tout un symbole vert. Non mais arrête de me rôter à la gueule! Sans déconner, ça devient malaisant. Champ vert. Sauf que bah je te fais une magie juste derrière en fait. Ce que je vais te faire, bah faut. Bah écoute, et tu veux. Là, ça me dérange pas trop de louper mes attaques. Étant donné que je suis censé citer, donc. Ça paraît logique de rater mes attaques. Tiens. Ah bah non, pas du vert. Pas du vert. Bah oui, débile. Surtention. Surtout pas le laisser installer un full symbole vert. Oh, Bavi, déjà? Enfin, moi, je dis pas non, hein. Écoute, tiens, je suis libre. Dans ta mouille! Oula, il a pas aimé. Grâce céleste. What? 400? Répétez pour voir! Mauvaise haleine, voilà, blabla. Yo Jojo! Je vais garder en réserve. Ah, mais Karch, il a pas. Il a la cécité. Bah oui, bah non. Non, ça sera pas la fin là, non. Clairement. Champ vert. Alors, non, on te laisse pas le champ vert. Non, pas le coup interdit. Iceberg. Est-ce que ça s'entend que mon téléphone vibre? Parce que ça vient d'arriver là. Tiens, Nick! Je t'ai défoncé! Oui, il paraît que le Mario Strikers, il est naze. Ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Qu'il avait genre... il mettait juste le minimum de contenu et tout. Ouais, non, apparemment, c'est une grosse déception le jeu. Du coup, j'ai bien fait de pas le prendre tout de suite. Ah, bon bah voilà. Bon bah, ah oui, mais c'est vrai que oui, ils avaient pas fait la confirmation de nom, donc oui, effectivement. Bon. Ah, merde. Ah oui, il m'a tellement foutu de saloperie dans la gueule, le truc. Putain, le dragon de la maladie, sérieux. Ok.
On va pouvoir se casser de cette zone de merde. Ah, du coup, on aura, j'aurais pas à revenir. Hein, du coup. Elle est où la flûte? Elle est là. Oui. D'accord. C'est à partir d'où? À partir d'où que je dois utiliser la flûte? Ah. Ah. C'est pas évident parce qu'ils disent que c'était ici. D'accord, oui. Ici. Ah, c'était ici. Flûte alors. C'est ça. Voilà. Et alors, du coup, on va pouvoir faire les autres dragons. Ah. Bon, de toute façon, on n'aura pas besoin d'y retourner, hein, vu qu'on a tout, que j'ai tout, pris tous les corps. J'ai pas trop compris ce qui a fait qu'il voulait bien se montrer le boss, mais bon. Allez, retour de la bagarre. Bah du coup le dragon rouge on le prendra à la fin s'il est vraiment dans l'autre dimension. Si jamais il y a des mécaniques de jeu que vous voulez avoir plus de détails parce que voilà, vous hésitez pas. Hein. Parce que du coup, bah je vous expliquerai. Hein. Parce que ça serait con que vous regardiez le jeu et puis que vous... Je comprends pas ce qui se passe, mais c'est joli. Dragon des cieux, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Et ben le dragon de la terre, vas-y. Je suis full vie, ok d'accord. On va faire une sauvegarde. Et le dragon de la terre. Ah oui, il y avait un truc qui gênait. Ah, bah dis pas qu'il y a un donjon là aussi. Mais donjon, c'est pas bien, on vous a dit. C'est vous mettez des zones ouvertes, vous mettez un boss, et puis voilà, c'est tout. Bah, j'ai bien fait de lui parler parce que bon, je pense que c'était indispensable. Et encore un donjon. Yes! Trop bien. Je crois que je sais ce qu'il faut faire.
que lui ne bouge pas. Du coup. Attention, ça va péter. Voilà. Non, je me demandais s'il fallait pas que je retourne parler au mec à chaque fois. Non. Alors, toi tu as pas l'air de bouger. Si, d'accord, c'est juste que tu étais juste immobile. Oh non. Avez-vous déjà entendu parler de notre seigneur et maître, la flemme? Comment je vais? Ah oui, non, d'accord. Attends. Ah, attends. J'ai peut-être mon idée. Est-ce que c'est l'irré mobile si je l'ai pas? J'ai oublié d'accélérer le combat. Mais Voilà. Vous décédez. On prend des vacances. Est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il se rend immobile? Ah! Je suis intelligent. Non. Ah. Mais j'ai quand même bien pensé le truc. Je vais attendre qu'il se mette juste devant le machin. Voilà. Et j'ai trouvé la solution de l'énigme. Bon, après, c'est pas très compliqué. Hein. Ça parle de musique mue sur le chat. Hop, voilà, le décès. Des PV, des dénadorites. Papa. Et j'ai été plus intelligent que le jeu. Non. Oui, voilà. Oui.
Ouais, non, non, j'y pense. Ah bah, on y est en plus. Donc, on vérifie quand même les soins. Ok, c'est bon, j'ai pas d'altération. Monsieur le dragon du sable, voulez-vous bien faire la bagarre? Hein? Quoi? Comment ça? Non, oui, voilà. Je recherche le pouvoir de te casser la gueule. Elle était en haut. Ah oui, on dirait un verre. Avec des moustaches, mais... un gros verre, avec des pattes. J'ai l'impression de déjà lu. Alors là, par contre, ça va pas être la même limonade que depuis tout à l'heure, parce que là, j'ai un perso qui est faible au dragon. Et ça, ça va pas être rigolo. Alors, d'abord, on fait Fargo pour voler. Extorsion. Attention. Ça marche. Plastron jaune. Maintenant, bagarre. Putain, je fais tellement mal avec cette arme. Alors, lui aussi, il fait mal. Eh ben, écoute... Dans l'idéal, je voudrais lui faire du vert, mais bon, j'ai pas de magie, j'ai pas trop de magie verte pour moi. La bagarre, la bagarre. Car je fais quand même des bonnes patates. Il faut quand même des bonnes patates, c'est cool ça. Achèvement. Ah, pour les attaques, allez, pour les attaques uniques, vu que c'est, je vais quand même les mettre. Est-ce que je tente le coup interdit? En général, ça fait pas de dégâts, mais on peut essayer. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. C'est peut-être parce que j'avais pas... son arme était pas à jour. Pff, ok, il a pas de vie. Ah, il a pas de vie. Je lui fais plus de dégâts qu'il n'en a. Je lui fais plus de dégâts qu'il n'a de point de vie plutôt. La main laser. Oui. Bah l'explosion de glace. La poussière de diamant. Bon bah voilà, c'est fait. Il a été, il y a eu des, une petite update graphique sur les persos, hein. Sur les persos en combat. Allez, le cobra électrique. Donc il y a quand même une petite réhausse. Hein. La relique. Le
c'est bon. Ok, c'est bon. Je vais quand même vérifier pour les plastrons. Donc, le noir, c'est bon. Le jaune, c'est bon. Le vert, bon. Le bleu. Normalement, c'est, on est à jour. Enfin, ça en fait combien? J'ai pas compté. Parce que du coup, on a le bleu 1, 2, 3, 4. 4. Je crois qu'il y en a 6. Il reste le blanc et le rouge. Bon, bah, go le dragon blanc maintenant. Hein. Puis après, on changera de dimension pour aller. Ouais, ouais, non, mais il y, y a eu un retravail sur les persos. Hein. En plus de l'upscale de, habituel de remaster. On saute ? Et voilà. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple ? Ah non, parce que oui, du coup j'ai le téléphone à côté, donc oui, effectivement, j'ai enlevé le son des sonneries, mais le truc c'est qu'on entend quand même vibrer. Ah ! Can you interagir ? Merci. Après, par contre, Chrono Cross, oui, même pour l'époque, il avait quand même une sacrée DA. Hein. Une DA et l'OST aussi. Mais... Du coup, bah, le dragon blanc. Dragon des cieux. Des cieux célestes. Ah, si, j'ai quand même un perso. Pas full. Eh, hey, tout le monde a atteint les 400 PV. Nice. FF7, j'aurais quand même ça à dire qu'il a quand même, il a quand même vieilli. Hein. Pas sur les décors, mais sur les persos quand même. Parce que les décors, c'est du pré-calcul, c'est du pré-calculé, donc c'est pas compliqué. Hein. C'était fait en full 3, en belle 3D et tout ça, mais les persos quand même. Non, le dragon des cieux, il va être où? Pas ici. Bon. Bah, le dragon, il veut pas. Il est pas. Ah, à moins qu'il soit aussi dans l'autre dimension. Ah, attends. C'est dans quelle dimension qui m'a sauvé les miches? C'est dans l'autre? Non, c'était ici. Je sais pas où il est. Bah, comme je juge. Bon, on va faire le dragon rouge. Et éventuellement, bah, on verra. Hop, allez, changeons de dimension. Bioum. Je vais d'abord aller voir le dragon des cieux, parce que... C'est vrai que je suis jamais venu dans le... ici, dans... cette dimension. Ah ! Te voilà ! Alors, du coup, il a l'aimant...
opposé de mon héros. Ça peut piquer, hein. De l'élément blanc. Le dragon des suprémacistes. Pardon. Ah, faut le voir en dernier. Bon bah, il reste plus que le dragon de feu, donc... Non, c'est pas un dragon blanc, s'il plaît, non. Bon bah du coup, il était là. Bon, ils sont tous les deux ici, donc c'est tant mieux. T'es le mec te dit, hein. Je suis le boss final des dragons. Reviens me voir quand tu leur auras tous pété la gueule. D'accord, monsieur. Bon, moi je sais par où il faut que je passe. Non, me poursuivez pas. J'ai pas bon goût. Où je vais là? C'est ici, il faut que j'aille. Je sais toujours pas comment on monte là-haut. Ah bah, le voilà le dragon. Alors, c'est pas la grosse salamandre, c'est le petit truc. Eh, salut. Ouais, ouais, on s'est déjà pété la gueule, mais pète-nous encore plus la gueule. Ah. Le pouvoir de la bagarre. Alors du coup, c'est il a l'élément opposé de Sfargo. Mais je me suis renseigné avant de, pour pas faire des conneries. Faut pas le voler tout de suite. Donc là, on va juste lui bourrer le cul à bout à coup de d'attaque physique pour qu'il nous ait les éléments. Fargo, on va le remplir en avance. Voilà. Souffle brûlant. Ouf. Non, ça va. J'attendais à pire. Ah, voilà. Transformation. Et il est badass. Donc, première chose à faire, voler. Le plastron rond rouge. Oula, 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 oula. 10. 10. Monsieur le dragon rouge, vous êtes très décevant. Mais on va quand même jouer la sécurité. Hein. Pas folle la guêpe. Hein. Alors, lynx. Mais en vrai, je crois que mon arme est trop puissante en fait. Ouf! Et ça pique! Déluge! Que le déluge soit! Ah bah encore! Ah!
il doit répondre forcément avec un avec son souffle quand lui fait la couleur la opposée. Alors, je vais quand même jouer la sécurité, hein. Aïe. Ok, par contre les attaques physiques c'est pas Osef. Hein. Explosion de glace. Ouais, non, il rétaliait toujours avec ça, mais ça fait rien en dégâts. Sa contre-attaque est Osef. Hé hey. Qui t'a autorisé à esquiver? Ah tiens, du jaune. Tant qu'à faire. T'apprendras. Je préfère jouer la sécurité. Le sort qui fait mal. Fargo, il a pris Chéros. Nick. Vas-y, si Fargo meurt, il mourra, puis c'est tout. Allez, vas-y, hop, tu fais 5. Bon bah, c'est le décès. Ah, puis va chier. Hop, la salamandre. Nous les reverrons. Hop, il a juste des pop. Pas de coffre, ok. Bon, bah, on peut se casser, hein. On est full vie, ok. Ok, j'ai bien volé le truc rouge, le plastron rouge. Allez, il est venu le temps des rires et des chants. Et de se faire botter le cul par le dragon blanc. Salut! Voilà. Eh, allons affronter le big boss des dragons. Qui a l'élément opposé de mon héros. Ça va piquer! Plus que le dragon rouge, je sais pas, mais ça a piqué en tout cas. J'ai pas vu que j'avais encore de la brûlure. Je suis full vie, ok, on sauvegarde. Allez, le dernier dragon!
Alors, t'es prêt pour la bagarre? La bagarre? Je suis pas serein. Je vais pas mentir, je suis pas serein du tout. Salut. Ça va? Alors, il fait quoi en patate? Il faut des grosses mandales quand même, hein. D'abord on le vole. Voilà, le plastron blanc, comme ça on les a tous. Oh les patates qu'on lui fait. Oh. Je vais faire un soin intensif. Sur Karch. On a quand même pris des grosses mandales. Souffle blanc. Ah! Ça fait que dalle. Je vais pas en plaindre. Karch, il a pas de noir sur lui, donc Osef. Donc on va lui faire faire n'importe quel sort. Ma défense magique, d'accord. Ah, il augmente ma consommation. Alors, chute libre. Voilà. Wouah. Oh, ok, d'accord. En vrai, Fargo, il a pas beaucoup de magie. Donc, je joue la sécurité avec le avec Lynx. J'ai vu que j'avais pas mon max d'endurance. J'ai fait, ouais, non. Tout doux. Comment ça, guérison? Comment ça, 547? Bon, en vrai, je lui fous tellement des grosses tatanes que, bon, d'accord. Ah, j'ai ma technique ultime! Ah bah, on va pouvoir en profiter. Néant éternel! Du coup, je l'ai jamais vu. Que les ténèbres absolues t'engloutissent! One shot? Bon. Hey, j'avais le droit de rêver! Exaltation. Oula. Les éléments font 50% plus de dégâts. J'ai pas payé pour ça. Je vais préférer garder des persos pour soigner au cas où. Ah, il fait la gueule. J'aime bien quand les boss font la gueule. Bizarrement. Je vais garder Lynx. Quand il aura max rendu. Ah, je sens que ça a piqué. Et bah oui, ça pique. Oui. Vivi. J'avais pas remis l'accélération.
ta mère. Je vais préférer ce mot soigner. Hein. Aïe! 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 Ça pique, enculé! Oui, enculé. Je l'ai achevé avec une tatane à 18. Bon bah, tous les dragons, c'est fait. Ange gardien, oui, voilà. Yeah. Le voilà qui se casse. Ça s'est fait. Alors par contre, du coup, je vais aller retrouver la gonzesse là qui a l'alarme machine. Parce qu'elle a dit je te filerai l'alarme que si tu défonces la gueule aux tous les, à tous les dragons. Tous. Je sais pas si c'est obligatoire, mais bon, dans le doute. On va du coup. Oh, il est qu'une heure et demie. Enfin, j'ai streamé qu'une heure et demie. Ouais, donc on va quand même continuer un peu. Donc c'était ici. Go to go fast. Ah. Je vais là au cas où, hein. Yo. Ah ok, d'accord, merci. Bah, merci bien. Avec quelle couleur? Elle est blanche. Très bien. Ok. Alors, je crois qu'il faut que je redevienne Serge pour faire la suite du jeu, mais je vais quand même vérifier. Je vais faire les étapes comme si je voulais aller à la suite. Mais normalement, il faut que... faut que je récupère mon corps, normalement. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, là, actuellement, il y a le méchant qui a échangé son corps avec moi. Donc là, je suis dans le corps du méchant. Ouais, d'accord. Faut bien que je retrouve ma force, ma forme originelle. On va au fort dragonnier. Dragonnier. Ici ou dans l'autre? Non, c'est ici. De toute façon, dans l'autre, je ne peux pas y aller. Oui, une des rares fois où tu peux jouer le méchant, pourquoi? Parce qu'il t'a piqué ton corps. LOL.
C'est pas tu le recrutes, c'est non, 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 je deviens le méchant. Par contre, ça veut dire que lui, c'est moi maintenant. Il se permet de faire des saloperies avec ma gueule. Ah. Ah bah, t'es là, toi ? Ah, d'accord. Je m'attendais à ce qu'on a... ça allait attendre que j'aille en haut et tout, mais... Rends-moi ma tronche, connard ! C'est la mienne ! Un petit crit qui fait plaisir. Alors t'as quoi de beau ? Tiens, en toc. J'ai envie de voir s'il a autre chose à voler. Les artworks, c'est pareil, ils ont été complètement refaits. Hein. Les avatars des persos, ils ont complètement été refaits. Ah, ok, d'accord. C'est, ah, pour une fois qu'il me laisse me bouger quand je suis. J'ai envie de voir s'il a un autre objet à voler. En sachant que si je fuis alors que j'ai volé, je perds l'objet volé. Hein. Ah, sinon c'est trop simple. Alors, c'est peut-être chiant, mais je veux quand même voir. Et bah voilà, c'est du manier en plus, bien volé. J'ai quand même envie de voir s'il a pas un truc important. Tiens, en toc, ça m'a l'air naze. Je vais pas mentir. On fait, on tente une dernière fois. S'il me lâche rien d'autre, bah on fera avec. Est-ce que je peux me permettre de dire qu'il fait moins mal que les dragons ? Conque arc-en-ciel ! Ah ! Ah bah oui ! Ah bah voilà, ça c'est mieux. Chat sauvage. Hé hey. Oh, 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 ça va les patates. Et faut se calmer mon petit gars, hein. Faut se calmer. Par contre, comment tu fais tes propres sorts avec mon beau corps alors que j'ai aussi tes sorts avec ton corps? Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Pfff ! T'appelles ça des attaques ? J'appelle ça mon petit déjeuner ! Vu qu'il est devenu noir, pour une raison. Oui, parce que avant moi, mon élément c'était le blanc. Vu qu'il a. Mais. Quand j'ai pris son corps, j'ai pris son élément. Ok, normal. Pourquoi lui, vu qu'il est devenu noir du coup? Camoulox. La réponse était Camoulox. Volcan. Ah! Tu fais tous les éléments, d'accord. Aïe. Tu piques, mon salaud! En fait, du coup, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a pas en attaque physique, il l'a en attaque magique, en tout cas. Hein. Fais gaffe. On va jouer la sécurité. Hein. Ah ouais, mais les patates qu'il met. Je me suis protégé. Haha.
j'ai pas d'autres attaques blanches. Déluge. Putain, j'ai pas vu Karch, il a pris cher. Oh boy! Oh boy! Alors je pense que... Alors Karch, il est mort. Il est mort 100 fois là. Les autres, j'en sais rien. Voilà, il est mort. C'était prévisible. Ne m'attaque pas tout de suite, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Alors, il est dans les... Alors, il commence à être dans les vapes, le boss, mais je veux être full vie, d'abord. Il tape tellement dur, ce salopard. Oula, tornade. Oh là. Argo, tu veux bien te calmer sur les AOE ? STP ? Pas le noir, hein, bien sûr. Tiens, les tuves. Nick. Ok, ça, c'était un boss qui était dur. Ah, dur. Il faisait très mal. En AOE. Ce qui était... Eh ben j'ai gagné coup carsentiel. Et qu'ils auraient un... une petite sauvegarde. Et là il revient. Je vais... Ah ! Non ! J'ai bien fait de faire le chemin. Biou. Ouvrez les portes. Salut. Ah, je dois être tout seul. Bon. Salut les potos. C'était sympa. Le temps que ça a duré. Et les larmes du dragon.
À poil, le gamin. Alors, par contre, j'ai trouvé où les vêtements? La croix du temps. Wink wink. Ouais bah merci de me dire comment la faire du coup. Ah, j'ai retrouvé mon élément blanc. C'est bon. Je vois un truc. Non, ok, d'accord. Ah, par contre, il va falloir que je me rééquipe. Oh, fais chier. Bon, je ferai ça hors stream. Hein. C'est pas une référence. C'est pas que c'est une référence, c'est surtout que c'est. La croix du temps, c'est le nom du jeu. Est-ce qu'il va falloir que je recherche tous les persos que j'avais avant ou est-ce que de base, vu que je suis redevenu Serge, je peux les réutiliser tout de suite? Hop, passe dans le point de sauvegarde. Bah oui, c'est ça, surtout. Chrono Cross, la croix du temps. T'as même pas réfléchi avant de me poser la question. Alors, juste voir. Ah non, c'est bon. J'ai accès à tous mes persos. Oui. Et il m'en manque pas tant que ça des persos en vrai. Alors, je compte pas les persos que du coup qui sont uniques à certains cheminements. Parce qu'il y a genre bien une ligne qui est dédiée à ça. Il y en a bien 3. Plus 2. Attends, 3. Non, 2, plus encore 2. 1, ouais, puis du coup, ouais, non. Ah oui, donc même Jojo, il a fallu que j'explique la blague. C'est ouf, quand, enfin, la blague. Il a fallu que je l'explique pour qu'il comprenne aussi. Ah mais c'est bon, je sais où il faut aller. J'ai trouvé l'endroit l'autre fois. Mais il faut changer de dimension, encore. Je changerai probablement de team. Hors stream, mais. Beat, hein. Ah oui, mais Jojo il joue aux Tortues Ninja, voilà, hein. On se fait plaisir. Roll l'autre là, ouais, c'est ça. Bah Dotemu ils font des bons... Oui non apparemment leurs jeux sont très cool donc j'en ai pas fait à eux mais il paraît que leurs jeux... je crois qu'ils ont fait Street of Rage 4 aussi. Ah non mais tout de suite je joue le Game Pass. Et surtout qu'il sait très bien qu'est-ce qu'on en pense du Game Pass hein, ici. Va falloir qu'il fasse attention. Voilà. Ah bah tiens, il y a deux réceptacles. Bon, pourquoi lui demander? J'ai bien mon idée sur comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Non.
Ça semble impossible pour le moment. Ah, va falloir y aller quand même. Aller la voir quand même. Ah non, mais King, ça va, on lui a suivant, on l'a suivant fait chier avec ça, faut, maintenant c'est le tour de Jojo. Ah, ouais, vous savez ce qu'on pense du Game Pass ici, hein? Il nous vole le travail! Ah, peut-être qu'il faut que je vienne avec Bettina, mais. Je vais aller voir, je vais voir celle de cette dimension déjà. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter là, je pense. Donc, je vais voir déjà. C'est là-bas. Ah oui, il faut que j'ai un perso à recruter en plus. Oui, j'ai une demoiselle à recruter. Et salut! Ah! C'est dans l'autre dimension? Je crois que. Ah non, 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 je sais! La broche. La broche de saphir. Voilà! Tellement de persos qui ont pas d'histoire et qui servent à rien à part être dans l'équipe. C'est même pas une blague. Elle est où? Elle est là, elle est bleue, d'accord. Alors du coup, si là on me dit rien, ça voudra dire qu'il faudra que j'emmène Bettina du coup dans l'équipe. Elle remplacera du coup Karch. Parce que je vire pas mon perso qui vole, le seul perso qui peut voler. Ah. La cascade des dragons divins. Si je te donne les éclats d'amour. Non? Et à la vieille? Ah non, vous en battez les couilles. Ok, faudra que je change ma team. Du coup, elle va remplacer Karch. Parce que, bon, si je peux voler les boss, je vais pas me gêner. Je me mets là. Hop, petite save. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je remercie à tous ceux qui sont passés. Je remercie King et Jojo. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!